tous. Nouvelle sortie détection. Toujours dans le champ où j'ai fait ma dernière vidéo. Donc là, ce que je vais faire, ben je vais continuer à faire les allers-retours sur la largeur du champ. Et puis on va voir ce que ça va donner sur le reste. Et puis comme j'ai dit, si j'ai rien trouvé d'ici là, j'irai dans ce champ là ou alors dans ce champ juste là. Voilà. Donc sur ce, ce que je vais faire, je rallume dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Allez, tchuss. Allez, première monnaie pour moi. Après, ouais, une dizaine de merdouilles. Hein. Et donc là, c'est une première monnaie. Regardez, elle est juste ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça n'a pas l'air très vieux, ça. Alors, c'est du pfennig, hein, comme d'habitude. Ça doit être du 5 pfennig. Ouais, je crois que c'est une 5 pfennig. Ouais, à mon avis, c'est une 5. Une 5 ou une 2. Je crois que c'est une 5. Voilà. En tout cas, je sais pas s'il y aura des restes. Parce qu'elle est déjà bien, bien attaquée. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vais reprendre. Hein. Ouais, ça fait quoi, une demi-heure, hein. Une demi-heure que je tourne. De toute façon, j'ai bientôt fini le champ là. Voilà, donc il me reste pas grand chose. La voiture est juste là. Donc je pense que d'ici 3 quarts d'heure, j'aurai fini ce champ. Et puis après, je vais attaquer ben, celui-là là-bas. Voilà. Allez, je continue, tu es. Allez, nouvel travail pour moi. Après le bouton. Donc j'avais fait encore le bouton, la monnaie, excusez-moi. J'ai refait encore 2 boutons. Et là, regardez, un petit dé à coudre. Voilà. Encore entier. C'est cool. Super, j'en fais pas tout le temps des dés à coudre. Hein. Ou si je les fais, ils sont cassés. Voilà. Donc celui-là, je vais le laisser dans son jus. Voilà. Bon, en tout cas, il n'est pas très très vieux. Hein. Voilà, comme disait au fond du trou. Lui, c'est un spécialiste des dés à coudre. Ça, je sais qu'il aime bien les dés à coudre. Donc celui-ci, ben, je te le dédicace, hein, même s'il n'est pas très vieux. Hein. Voilà, il est pour toi au fond du trou. Voilà. Allez, sur ce, ben, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Voilà. Dans un petit quart d'heure, 20 minutes encore, une demi-heure peut-être. Et puis je rallume ma prochaine trouvaille si j'ai quelque chose. Allez, tchuss. Allez, enfin une monnaie, de nouveau, après le dé à coudre, je crois qu'il était ouais, vers là-bas. Et là, je viens juste de l'éjecter. Bon, c'est déjà un gros module. Voilà. Hop. Oh, ce que c'est, je pense, du napo peut-être. Alors. Ouais, écoutez, ouais, je crois que ça doit être du. De nouveau une Revo. Ah, purée, j'espère qu'elle n'est pas savo. Ouais, non, même pas, c'est une. Regardez. Vous voyez comme moi, la couronne. Donc ça doit être des saules à l'écu. Il doit y avoir le Louis XVI de l'autre côté. Mmh, ouais, on voit la tête ici. De notre cher loulou. Mais. Ouais. Je sens qu'à mon avis, sa tête, elle est décapitée là. Malheureusement. Ouais. De toute façon, ces monnaies là. Hein. Ça résiste très très mal au temps. Oui, on voit bien la couronne. Hein. Voilà. On voit bien la couronne. Voilà, voilà. Donc là, je continue. Il me reste encore ouais, un petit quart d'heure. Et puis je vais attaquer. Je vais attaquer le champ qui est là-bas. J'ai pas envie de faire celui-là. Voilà, tout simplement. Allez, je rallume dès que j'ai quelque chose. Alors, allez, tu travailles après la. Ouais, la loulou est juste là-bas. En bordure de champ. Donc là, j'ai avancé. Et ici, une super trouvaille. J'ai déjà nettoyé, regardez. Elle est magnifique. Alors, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un reste de boucle. Ou un passant, je sais pas. Regardez. En tout cas, c'est super joli. Alors ça, c'est magnifique. Vous voyez. Petit décor sympathique.
Et de l'autre côté, voilà, pareil. Avec une petite attache, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, il n'y a pas de souci. Ça me ferait extrêmement plaisir de me dire exactement ce que c'est de moi. Exactement, voilà, si vous avez une idée. C'est cool, donc là j'ai bientôt fini, hein. Il me reste pas grand chose, hein. On est à 10 minutes, hein. 10 minutes et puis là c'est bon. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir, une jolie petite trouvaille, hein. Franchement elle est superbe. Je suis vraiment content. Petite trouvaille insolite comme ça, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ah bah sur ce, je rallume dès que j'ai quelque chose, hein. Puis sinon ça sera dans l'autre champ. Allez, à tout de suite, tchuss. Voilà, nouvelle trouvaille pour moi, juste là, regardez. Petit bouton en tombac. Voilà, ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Voilà, donc ça c'est le petit. Et j'ai fait le grand frère juste là au bord du chemin. Mais qui est cassé malheureusement. Et je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, petit bouton en tombac. Voilà. Donc là j'ai bientôt fini le champ. Et j'attaque. Celui-ci, voilà. Allez, à tout de suite. Je vais trouver sympathique pour moi. Donc, comme vous voyez, la voiture est là-bas, le champ était là-bas. Donc, j'ai fait deux ou trois, deux allers-retours, sans rien, quelques trouvailles, quelques merdouilles. Et là, j'ai une petite médaille religieuse. Voilà. Alors, rien de spécial. Hein. J'en ai déjà fait plusieurs avec la Marie derrière. Voilà. La Sainte Vierge. Voilà. Ça va, elle n'est pas trop abîmée. Elle n'est pas trop abîmée. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais retourner à la voiture là parce que là j'en ai marre. On va faire le bilan des trouvailles et puis voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine trouvaille. Sinon, tchuss. Voilà. Après, on va dire 4 bonnes heures de détection. Le bilan, voilà, pas mal de merdouilles. Bon, ça c'est du plomb, hein. On peut pas dire que c'est de la merdouille, c'est du plomb. Ça, c'était une boîte de thon, pareil, de la capsule. Il y en a un reste d'éléments d'horlogerie, de la cartouche, hein. Il y en a pas mal aussi. La cartouche, encore une boîte de, je sais pas ce que c'était. Cette grosse pièce, alors je pense à agricole, ou je sais pas où un reste d'obus, je pense peut-être. Voilà, quand c'est pas une ceinture, cet objet là aussi, un couvercle, capuchon, pareil. Cette plaque, voilà, je pense un reste de couvercle de casserole. Voilà, et cet objet aussi. Alors, par contre, aucune idée. Alors d'abord j'ai cru que c'était un fer à cheval, mais en voyant cet objet là, moi ce trou, là ça me paraît bizarre. Pourtant on dirait bien que c'est une pièce de fer à cheval, mais c'est pas ça. Alors, si vous avez une idée aussi, c'est pareil. Je suis preneur. Oui. On voit bien les deux petits picots là. Et puis là un troisième ici. Petit trou. C'est bizarre. Pas être un fer à cheval, ça c'est sûr, mais c'est bizarre. Voilà. Et puis pour les trouvailles, donc là j'avais un reste de grelot, un tout petit grelot, hein. Cassé, un bouton, voilà, que je n'avais pas filmé, un deuxième bouton aussi, pareil, hein. Ça c'était le deuxième bouton que j'avais fait ce matin, j'avais pas filmé aussi, encore un bouton flingué. Le gros bouton en tombac, pareil, que je n'ai pas filmé, le petit. Après j'ai le dé à coudre, hein. Voilà. Bon, par contre celui-là il n'est pas très vieux, hein. Je pense fin 19e, début 20e. La petite médaille religieuse avec la Vierge Marie, hein, d'un côté, et de l'autre côté pareil. Voilà, après la Pfennig. Bon, je sais pas si c'est une. Je crois que c'est une deux Pfennig, je crois, il me semble. Il
2 ou une 5, je sais pas. La loulou, c'est dommage, il n'y a plus de reste. Il y a juste encore le blason là, d'un côté avec les trois fleurs de lys, mais de l'autre côté, ben, Louis XVI, il a morflé. Hein. Voilà. Attends, c'est comme ça. Voilà. Hop. Voilà, on voit plus sa tête. Son buste. Il y a juste encore le cou là, il n'y a plus rien. Et ce petit objet sympathique, voilà. Je crois que c'est ma plus belle trouvaille de la journée. Ça me plaît de faire des petites trouvailles comme ça insolites. Voilà. Avec la petite attache derrière. Voilà, c'est cool. Bon, allez, voilà. De toute façon, je retournerai dans ce champ, ça c'est sûr. Bon, il est grand. Hein. Il y a de quoi faire hein, dans ce champ. Il est assez grand. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, écoutez, hein, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, vous êtes toujours aussi de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc ça fait toujours plaisir. C'est aussi cool. Voilà, puis tout le monde là, apparemment, le ciel commence à s'assombrir. J'ai mis un peu de flotte là ce matin. J'ai mis un peu d'eau, une petite averse. Là pour l'instant, il fait bon, mais j'ai faim. Donc, je vais rentrer à la maison. Voilà. Et puis voilà. Hein. Et puis je vous dis à une prochaine sortie de détection, tout simplement, une prochaine vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Allez, tchuss.